Cher journal, je sens que cette année va finir en beauté. Tristan m'a invité à passer le 31 décembre avec lui. Qu'est-ce que je pouvais rêver de mieux, hein? En plus, l'après-midi devrait se terminer par le visionnage de Titanic. C'est bien connu, hein? Les films de bateaux qui coulent, ça fait chavirer les cœurs. Alors? Lou, tu me chavires le cœur. J'aurais peut-être droit à un petit bisou de fin d'année? Ah, salut. Entre. C'est toutes mes consoles de jeux vidéo depuis que j'ai 6 ans. Pas mal, ma collègue, hein? Pas mal du tout. Celle-là, c'est une ATX 400, avec un processeur qui mouline à 1 giga et une carte graphique full force à 256 mégabits. Ah oui. Et celle-là, tu vois, j'y tiens grave. C'est une antiquité qui date d'au moins 5 ans. Ma toute première console. T'imagines, elle a pas de connexion i3e802.11. Et la SDRAM n'est pas intégrée. Quant à la sortie SPDIF, j'en parle même pas vu qu'il y en a pas. Par contre, elle a un truc que les autres n'ont pas. Des parois en métal, pas en plastoc comme celle d'aujourd'hui. Incroyable. Et tu peux encore jouer avec? Comme au premier jour. Tiens, juge par toi-même. Oups. Ben je sais vraiment pas quoi dire. Ben, je crois qu'il n'y a plus rien à dire. Hey, Mina, je suis la reine des gourdes et j'ai gâché mon histoire d'amour avec Tristan. Oh, ok, ok, pas de panique, basta la déprime, il faut réagir. Tu sais quoi? Tu vas organiser un super réveillon, une fête à tout casser. Tu invites Tristan, tu t'excuses et tu recolles les morceaux avec lui. Et voilà. Ouais, et où je vais la faire cette fête? Ben, chez toi. Impossible, à cause de Micheline. À cause de Micheline? C'est qui Micheline? Quand maman était petite, elle s'était prise d'affection pour une dame toute mignonne qu'elle avait appelée Micheline. Pouti, pouti, pouti. Et puis un 31 décembre, mamie lui a fait goûter un nouveau plat. Et c'est bon? Qu'est-ce que c'est? Micheline au marron. Depuis cet épisode, maman a fait le serment de ne plus jamais fêter le jour de l'an. Et chez toi, ce serait pas possible? Pas vraiment. Ici, c'est plutôt ambiance divorce. Mes parents n'arrêtent pas de se disputer. Tant pis, je vais me débrouiller. Salut Richard. Ça te dirait de faire une fête à tout casser dans un endroit super sympa? Bah oui, où? Chez toi, ce soir. Un réveillon, quoi. Franchement, tu sais, les réveillons, c'est pas trop mon truc. Je les passe toujours tout seul à jouer de la contrebasse. C'est ce que je préfère. Allez, à plus. Un réveillon? Négatif. D'après mes calculs, Jupiter est en plein dans Vénus. Ah oui, et alors? Alors, il va se passer un truc, c'est moi qui te le dis. Et un truc pas beau à voir. Une attaque massive de lémuriens, par exemple. Un bon conseil, barricade-toi. Désolée, j'ai prévu de regarder l'œuvre intégrale de Fritz Hoffmann, un cinéaste allemand injustement oublié. N'y compte pas, je veux absolument finir mon puzzle de 10 000 pièces avant la nouvelle année. Ce soir? Non, je dois peigner mes animaux empaillés, comme tous les 31 décembre. Hey, tu viens manger? J'ai pris du cassoulet chez Kader. Bof. Bah alors, ça ne va pas? Non. Dans cet immeuble, tout le monde est comme toi, anti-réveillon. Et moi qui avais prévu d'inviter Tristan à une super soirée. On ne peut pas obliger les gens à faire la fête, ma louloute. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Par exemple, jouer à la console sur le canapé en attendant la nouvelle année. Ne sois pas triste, ma louloute. Allez, ma petite étoile, c'est la fin de l'année. Tu pourrais pas m'aider en faisant un truc sympa? Un truc magique? Genre un miracle, quoi.
C'est ça ton miracle? Ah ben bravo! C'est les plombs de l'immeuble? Non, c'est tout le quartier. Ben mince alors, qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait en profiter pour faire la fête. On est tous ensemble, c'est l'occasion. Moi, j'ai un vieux groupe électrogène à la cave et il est déjà branché sur l'installation électrique de l'immeuble. Vous avez ça depuis quand? Je l'ai construit après l'éruption du Vésuve. En 1944? Non, en 1682. Mais Écoutez, moi, j'ai envie de jouer à la console, alors je dis oui au groupe électrogène. Moi aussi. Et moi donc? Plutôt deux fois qu'une. Tout le monde à la cave. En avant. Oh, toi, ça va, hein? Et voilà ma merveille technologique. Fabriquée avec le tableau de bord d'une traction avant, un moteur Stirling et bien entendu le soutien du grand matoutou de Clermont-Ferrand. Ça marche au fioul? Non, au vinaigre d'échalote. Allez, en voiture, Monique. Allons, ma belle. Et un banc pour l'ancien. Et bip bip. Ah oui. Bon ben, bonne année alors. Ben oui. Bonne année à tous. Bonne année. Ja, bei meinem Freund ist Paulette. Mein Traum ist Kraft und Voll. Allô? Ça va? Tu passes une bonne soirée? Impeccable, et toi? Vraiment génial. Enfin, je m'ennuie quand même un tout petit peu. Ah oui? C'est marrant, c'est un peu comme moi. C'est ici pour le réveillon improvisé. C'est complètement ici. Allez, hop. Oh, des réveillons, j'en ai connu moult. Celui-là me rappelle Megevon 29. Alors, c'est ici le réveillon improvisato. C'est complètement ici. Ce n'est pas une pizza à la dinde, j'espère. Naturalmente, mia popa. Alors comme ça, vous êtes fan de Napoléon? À vrai dire, je suis fan de tout ce qui ne dépasse pas 1m20. En fait, j'ai oublié de prendre en compte l'influence de Saturne dans mes calculs. Pas d'attaque de Lémurien, alors? Ben non, je dirais même que ce soir, le ciel est plutôt clément. Ah oui? Après le bip, vous savez quoi faire? Et alors, la marmotte, répondit à l'ours, va donc te faire empailler. J'ai pas compris. Vous êtes impayable, monsieur Verdier. Ce plat-là, je peux le garder. Comment pourrais-je donc te dire ça avec tact? Jamais de la vie. D'ailleurs, j'ai établi une liste complète de ce qui te revient. C'est court. Lou, alors, raconte. Ben, mon plan a marché. J'ai finalement réussi à organiser mon réveillon.
plutôt chouette. Mais d'un autre côté, il a échoué. Tristan n'est pas là. Pas de bisous de nouvel an en vue. Pas chouette. Mais attends un peu, il est pas encore minuit. Ouais, bof, j'y crois plus trop. Mais enfin... Ouais, bonne année à toi aussi. Bonne année, la flaque. Oh, c'est sympathique, ces petites choses noires sur les pizzas. Comment ça s'appelle? Des olives. C'est bon pour les chiens, les olives. J'espère, le vôtre vient d'en manger une douzaine. Écoutez! Bon, ben, meilleurs vœux. Salut, je suis venu pour... bonne année. Merci. Maintenant, je suis sûre qu'elle sera bonne. Pourquoi? Parce que j'ai une bonne étoile qui veille sur moi.